Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de Lucky Bag au Japon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Bukubukuro, je crois que ça s'appelle comme ça en japonais. En chaque début d'année au Japon, ils font des sortes de soldes, on va dire, mais un peu particulières. Vous achetez un sac pour un certain prix et dedans, vous allez avoir plus que le montant que vous avez payé. Mais ça va être des articles surprises, vous savez pas ce qu'il y a dedans. J'ai réussi à m'en procurer deux. Donc voilà celui que je vais ouvrir aujourd'hui. C'est le Lucky Bag de chez Listen Flavor, une marque que j'aime beaucoup au Japon. Et je me la suis procurée sur la boutique qui s'appelle Dreamy Bows. Donc je mettrai de toute façon tous les liens en description. J'aime beaucoup cette marque, j'achète souvent chez eux. Et là du coup j'ai pu avoir le Lucky Bag de cette année. On va découvrir tout ça en vidéo ensemble. Hop, voilà. Donc en fait dans le Lucky Bag du coup il va y avoir plein de choses surprises. Des fois il y a des choses qui reviennent dans chaque Lucky Bag. Mais la plupart du temps c'est pas mal d'items surprises, donc on sait pas ce qu'on va avoir. Peu importe le prix que vous payez, en fait vous aurez toujours plus en valeur monétaire en sac. On va commencer. Je vais ouvrir tout ça. Donc là Listen Flavor c'est une marque de fringues. Mais concrètement, les Lucky Bags, vous pouvez trouver absolument tout. Il y a des Lucky Bags Pokémon Center, il y a des Lucky Bags McDonald's, j'ai vu. Enfin, vraiment, on peut trouver absolument de tout. Et voilà le premier que j'ai. Alors, c'est un ours et dessus c'est marqué Disorder. Il est fait pour moi celui-là. S'ordonner. Voilà, et il est super mignon. Et Listen Flavor, c'est des tailles uniques. Hein. C'est beaucoup de l'oversize et c'est des tailles uniques. Donc voilà le premier qu'on a eu. Et si on veut voir de celui-là, valeur. De base, il vaut 4900 yens. Alors, le Lucky Bag, je l'ai payé 100 €. Bon, plus les frais de port. 4900 yens, c'est à peu près 45 €. Continue. Ah, oh, j'ai l'impression que c'est une collab Sanrio. En fait, j'ai vu l'étiquette, c'est pour ça. J'ai pas vu ce qu'il y a dessus. Hop. Ah non, c'est pas Sanrio. Qu'est-ce que c'est? Si, Sanrio, c'est une licence Sanrio, d'accord. Alors, attendez, je vous montre bien. Qu'est-ce que c'est marqué? Place Magica. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. A priori, c'est une licence Sanrio, mais je connais pas. Mais c'est trop mignon, donc je vais me renseigner. Et derrière, c'est marqué Show by Rock X Listen Flavor. Donc, ça, c'est un t-shirt d'une collab. Alors, ça valait 4212 yens. Ça vaut une 40aine d'euros. On continue. Bewitched. Voilà, donc c'est une tunique. Celle-là, elle est à 7400 yens. Ça fait à peu près, il me semble, 70 €. Donc vous voyez, rien qu'avec ce qu'on a eu là, je dépasse déjà le montant que j'ai payé. Et donc, c'est une petite tunique qui est trop mignonne. Je suis contente, je l'ai pas non plus, donc super. Pour le moment, j'ai que des choses que j'ai pas. Que j'ai déjà quelques vêtements à Listen Flavor, donc on sait jamais, des fois que je retombe sur des vêtements que j'ai déjà. Mais là, non, c'en est que j'ai pas encore, donc c'est cool. Oh, c'est une collab Sanrio, encore. Et celle-là, je connais. Little Twin Star. Alors, ça c'est marqué d'ailleurs, Little Twin Star. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça c'est une des mascottes de Sanrio qu'on peut voir à Sanrio Pure Land. Et du coup, ils ont fait une collab avec Listen Flavor. D'ailleurs, dans le dos, on voit il y a un petit... Hop, c'est trop mignon. Je suis contente d'avoir autant de collabs, je m'attendais pas du tout à avoir des collabs comme ça. Celui-là valait 4200 yens. Donc il me semble que c'est quelque chose comme 38-39 €. On a déjà pas mal de trucs, mais il y en a encore. Je crois qu'il y a encore un truc. Oui, c'est le dernier truc. Alors il y a le sac avec, hein, je l'ai pas dit, mais tous les Lucky Bags, il y a un petit sac comme ça. Waouh, je connais cette collection. Je l'ai pas, mais je l'aime bien. Un hoodies. Waouh, stylé. Temptation. Oui, il y a un petit ours là. Voilà, Listen Flavor, ils font tout ce qui est kawaii. 8500 yens, ça fait à peu près 80 €. Je vous dis les prix à peu près, hein, parce que je connais pas... J'ai pas un système de conversion exact dans ma tête, mais voilà. Et bah franchement, je suis super contente. Déjà, j'ai rien eu que j'avais déjà. J'aime vraiment tout ce que j'ai eu. Et ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que si vous êtes au Japon à la période du Nouvel An, si vous avez l'occasion de faire le rush des Bukubukuro, bah allez les chercher. C'est vraiment stylé et vous en avez pour votre argent quoi. Pour 100 €, j'ai eu largement plus en valeur monétaire. Bien sûr, c'est un peu le hasard, mais c'est marrant aussi quoi. Et il faut savoir que pour la plupart des marques, il y a des tailles. Donc vous prenez le sac qui a votre taille. Et là, effectivement, vu que c'est des tailles uniques, j'ai pas eu de soucis pour choisir. Voilà, je suis contente. Et ben, j'espère que cette vidéo unboxing de Lucky Bag vous aura plu. Je sais pas si vous découvriez en fait ce principe des Lucky Bags ou si vous en aviez déjà entendu parler, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu au Japon. C'est la première année que j'ouvre des Lucky Bags. Déjà, je savais pas comment m'en procurer en France. C'était un peu compliqué. Là, voilà, je suis vraiment contente que Dreamy Bows, le magasin Dreamy Bows, et proposer le Lucky Bag Listen Flavor, c'est super cool. Faut savoir que c'est un magasin fiable, hein, c'est là-bas que je fais tous mes achats pour cette marque. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas quel modèle vous avez préféré parmi tous les modèles que j'ai eu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et puis me laisser un petit like. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.